La Lune, elle se promène sur son orbite dans ce sens-là. Pour qu'il y ait éclipse sur la Terre, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord qu'il y ait un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et il faut que la Lune se trouve à bonne distance de la Terre. La bande qui est balayée par l'ombre est extrêmement étroite et fait 180 km. Ah, ce petit appareil-là, oui, c'est le croisement d'un coronographe avec un filtre qui permet de visualiser la face du Soleil et notamment les protubérances. Certaines peuplades, en Afrique en particulier, on faisait du bruit parce qu'on pensait que c'était un fantôme qui venait couvrir le soleil. Et en faisant du bruit, on pensait qu'il allait se sauver et libérer le soleil. Voilà, alors je vous propose de faire une visite de l'observatoire, donc c'est actuellement en plein travaux. Mais de toute façon, on a toujours été en plein travaux ici depuis la construction de l'observatoire, c'est-à-dire depuis le début des années 90. Il y a toujours eu des moments d'aménagement. Alors ici, vous avez la bibliothèque. Alors ça, c'est l'état ancien de l'observatoire avant qu'on ait fait les aménagements. Voilà, on va arriver maintenant dans la salle Michel Berton, un de nos amis là, qui a travaillé. Il est décédé depuis. C'est lui qui a peint en bleu ce plafond. Bon, il était peintre. Et par la suite, on y a représenté des constellations pour profiter un petit peu de l'aspect en voûte, puisqu'on est juste ici sous les cuves. Et puis, bon, c'est agréable parce que finalement, avant de monter au télescope, eh bien, on a déjà ici une vision du ciel. Et cette salle, donc, elle est destinée à être une salle de travail annexe quand on est là-haut au télescope, pour avoir ici un petit peu de lumière et au besoin venir remettre à jour des observations. Et puis on en a profité aussi pour y mettre nos travaux, nos images. C'est par ici. Alors ici on arrive vraiment au niveau technique. On est juste sous le télescope. Ici, on a aménagé un labo photo. Il sert moins maintenant parce que les techniques de prise de vue ont changé. Maintenant, on utilise de plus en plus des caméras numériques, ce qui fait que bon, il est un peu en sommeil, mais bon, tout le matériel est prêt. À la limite, si on avait besoin, on pourrait le réutiliser dès maintenant. Il y a deux agrandisseurs, il y a tout ce qu'il faut pour développer les films. Et éventuellement les agrandir. Ici, c'est plutôt le laboratoire qui est lié à l'informatique. On a ici une manip qui tourne, qui détecte les étoiles filantes. Il y a une antenne qui est située en haut du château d'eau par l'intermédiaire d'un détecteur radio. Et le principe, c'est de détecter les échos des étoiles filantes. Alors, périodiquement, donc on fait nos bilans. Et puis, on a un poste de travail qui nous permet éventuellement d'être connecté avec l'ordinateur qui est au-dessus. Voilà. Et puis, juste au-dessus, eh bien, nous avons le télescope. Alors, on peut faire tourner la coupole, vous voyez. Voilà, pour la mettre juste en face du télescope. Alors c'est un télescope de 40 cm d'ouverture, hein, le miroir est ici. Il y a un miroir de renvoi qui est en face et on peut observer ici avec un oculaire les images qui sont données par le miroir.
Il y a en haut un chercheur qui permet de viser les objets que l'on a définis. Ici, une lunette guide qui permet d'accompagner lorsqu'on fait des observations photographiques. Et puis, on a ici un ordinateur qui permet d'aider à pointer le télescope sur les objets que l'on veut observer. On peut pointer une étoile, à la limite on pourrait même pointer une étoile en plein jour, hein, si le ciel était clair, on pourrait même retrouver. Il suffit d'avoir l'heure et puis de pointer avec les indications qui sont là. Et tout ça c'est fait avec le personnel de l'association, c'est-à-dire les membres, voilà, tout simplement.